bien sûr sur Hot Coffee. Ce matin encore, nous allons découvrir un autre pan de cette tradition-là assez riche. Ce sera bien sûr avec Franck Cyril. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la rubrique culture sur Hot Coffee. Ce matin, nous allons introduire la pierre noire. Oui, nombreux sont ceux d'entre vous qui ont entendu parler. Il faut retenir tout simplement que dans les temps passés, nos ancêtres ne pouvaient pas résoudre certains problèmes inhérents et des morsures, soit des serpents, en tout cas des morsures à caractère venimeux. Alors, il fallait forcément trouver des astuces pour pouvoir résoudre ces problèmes. C'est pour ça que traditionnellement, ils ont fait recours à la pierre noire. Historiquement parlant, la pierre noire nous vient du Ghana. Oui, la pierre noire vient du Ghana et encore appelée pierre noire des pères blancs. Ça, il faudra le dire. C'est appelé pierre noire des pères blancs. Pierre noire des pères blancs. Alors, ça veut dire que ce sont des pères blancs, des chrétiens, qui ont introduit cette pierre. Alors, donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, cette pierre est en provenance du Ghana. Alors, la pierre noire des pères blancs est traditionnellement utilisée plutôt en Afrique et en Inde. Voilà les deux continents sur lesquels on retrouve avec une forte prédominance la pierre noire. Alors, cette pierre noire est composée d'un... est carbonisée, c'est d'un os carbonisé, oui, c'est composé d'un os carbonisé et les traité avec des racines de plantes. Donc, je disais tantôt que la pierre noire des pères blancs est composée d'un os carbonisé et traité avec des racines. Alors, diffusées par les missionnaires et les pères blancs, les pierres noires est un aspirateur de venin. Ça, faudra le préciser. C'est un aspirateur de venin. Et c'est utile pour les piqûres les plus dangereuses. Et c'est-à-dire les méduses, par exemple, les serpents venimeux, les scorpions, les vipères, les migdales, les frelons, les guêpes, les araignées, et les abcès, les épines et bien sûr les épines d'oursin. Bref, tout ce qui est dans la peau et qui ne devrait pas être là, la pierre noire prend tout simplement la position d'éléments pouvant bien sûr donner matière à réflexion. Alors donc, pour le préciser, mesdames et messieurs, cette pierre noire est pratiquement dans nos mœurs désormais. Pour ceux-là qui font des travaux champêtres, pour ceux-là qui vont bien évidemment dans des forêts, pour ceux-là même qui ont l'habitude de résider dans des zones arides, dans des zones sèches, et beaucoup plus dans le nord Cameroun en ce qui concerne notre pays, on retrouve beaucoup de gens avec les pierres noires, des pères blancs. Oui, ces pierres noires, c'est bien évidemment ces aspirateurs de venin dont on va bien sûr se rapprocher en termes d'études pour le compte de cette semaine. Alors, mesdames et messieurs, nous allons nous simplement nous rapprocher de ceux-là même qui ont l'habitude de vendre ou encore de connaître de quoi on en parle pour pouvoir en parler. Donc, nous précisons que la pierre noire est quelque chose qui, ma foi, fera bien sûr du bien à tous ceux-là qui savent avec beaucoup d'exactitude leur importance. Et d'ailleurs, je vous le précise, il est toujours important d'avoir une pierre noire chez soi. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme bien évidemment votre page réservée à culture sur Hot Coffee. Notre objectif, ça vous le savez, c'est d'éteindre votre lanterne ou encore vous donner des informations sur des choses que vous ne connaissez peut-être pas et permettre à la jeune génération de ne pas oublier d'où elle vient, parce que notre patrimoine culturel est assez fourni pour que demain nous puissions vivre sans problème. C'est ici que nous allons nous séparer. Bonne continuation à vous, surtout n'oubliez pas la culture attitude. Bye bye!
Voilà, l'Institutional Value, c'est bien sûr l'autre fenêtre assez importante de ce programme que nous ouvrons comme toujours avec Sonia Binda. Bonjour Sonia. Good morning. Rebienvenue encore, hein. C'est Thank une you. nouvelle journée. Yeah, it's a new day. Voilà, vous venez encore nous parler bien sûr valeur nutritionnelle, ça on l'a dit, mais d'un autre élément. We started with something yesterday, we Voilà. will just continue with it today. It's chocolate. Voilà, les chocolats. Vous savez ce qui me venait à l'esprit, c'était plutôt les Last week we Bon, did c'était la egg. semaine dernière. Yeah, a lot of chocolate umbrella, so rather surprised that you forget about it today. So for our chocolate this morning, we talk about antioxidant. D'accord. It will surprise you to know that the dark chocolate, the black chocolate has antioxidant in it. C'est vrai. Let me just tell you today, it has it. And it lowers your risk of heart disease. I know people have, there's going to be a lot of polemic in this. Like, they say too much of sugar and artificial sugar in the body is not good. You have to be moderate in this consumption. What quantity do you eat in one day? 20 to 30 grams daily. 20 to 30 grams. We know that the big packet that they sell for us is 650 or C'est something. 50 No, it's 50 grams or grammes. something like that. It's so much. So you have to take just one and eat daily. D'accord. So Par jour. it's 20 to 30 grams you have to eat for one day. You should Ok. not take that big pack and eat it all. Il y en a qui mangent même plus d'un paquet. Yes, some people eat more. Some people get the Voilà. bucket even and finish it. So eating it moderately will help you to reduce your risk of developing heart disease. It improves the blood pressure in the body. It regulates bad cholesterol level in the body. D'accord. Bad, we have people have bad cholesterol. C'est vrai. You either have too much water, too much fat, or too much blood. Too much water or too much blood, no blood, water. And fat. Those are the two things when you talk about bad cholesterol in the body. And you see some people go about doing sports or drinking a lot of water to get away with this bad cholesterol. So this will help you. It prevents with oxidative stress. D'accord. And the last link in is that it helps fight inflammation, that is diabetes, arthritis, and cancer. D'accord, si vous souffrez de rhumatisme et bien évidemment des douleurs musculaires, du chocolat peut vous aider. It can help you. Ça veut dire qu'on peut donner du chocolat aux personnes âgées qui souffrent Yes, but de it should be rhumatisme. moderate. D'accord, de moderate. manière. Because a lot of artificial things that are added inside. D'accord, surtout le sucre artificiel. Yes. D'accord. Ok, vous avez parlé de 20 à 30 grammes par jour, pas plus. Donc même si votre bouche redemande encore, il faut savoir rester dans la norme pour ne pas tomber dans les problèmes. 20 à 30 grammes par jour et vous pourrez bénéficier, n'est-ce pas, des antioxydants qui peuvent vous aider, comme on l'a dit tantôt, à lutter contre le rhumatisme ou encore les douleurs musculaires. Ça m'aide un tout petit peu parce qu'on sait que le chocolat est énergétique. Donc Exactement. ça va vous redonner de la forme. Anti-stress aussi, Sonia nous l'a dit ce matin, ça vous permet de vous libérer du mauvais cholestérol hein, que vous avez certainement accumulé, des matières grasses ou bien de beaucoup de fritures, parce que nous savons qu'il y a pas mal de cholestérol dans les fritures. Ou encore, bien évidemment, pour revitaliser le fonctionnement de vos nerfs, de votre système nerveux. C'est également avec le chocolat. Hier, n'oubliez pas, on l'a dit, c'est bien pour la rétention. Yes, it Donc, helps you ça to permet de retain. relaxer votre système It helps nerveux. you relax so that Voilà. you're able to retain easily. Merci, Cynthia. Thank you. C'est carrément quelque chose de bien, les chocolats, surtout si on est capable de respecter la dose, parce que c'est un autre challenge pour certains. Yeah, you know when you have a tendency of just chewing and chewing, at one Ouais. point you don't realize that you have to stop. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, comme d'ailleurs tous les autres jours, on a une autre question à vous poser. Est-ce que vous estimez qu'une personne a le droit de débarquer chez autrui juste parce que c'est elle qui paye le loyer? Débarquer sans signaler. No, it's not supposed to be that way. Ouais. Although you say that no, I'm the one who pays the house rent, Ouais. I'm the one who does this, but no, it's not supposed to be that way. You're supposed to let people know you're coming. That's the logic the way it's supposed to be. Even if you're taking care of somebody, Oui. even if you're in, let me say you're in the university, Oui. your parents cannot just come like that. You call them, no, we are coming. Bah, c'est vrai, mais il y a des cas où les gens se disent, oh, quand je paye la maison, je peux venir quand je veux. People will say it that way. People. I know many people will not agree with the fact Oui. that I say that, no, you don't have, Voilà. you are not supposed to do it that way. D'accord. It is, even if you pay the house rent, I am the one who lives there, it is not you. D'accord. Vous devez respecter, me respecter, respecter mon intimité et donc Exactly. me prévenir avant d'arriver parce que
non seulement respecter mon intimité, mais aussi on ne sait jamais où vous pouvez arriver, je ne suis pas là. Mm-hmm. Et puis ça crée d'autres choses. Alors, bon mardi à vous. C'est tout. Après la santé, on parle également beauté. Il faut dire que entre les deux, il n'y a qu'un jet de pierre. Elle est là encore ce matin pour nous aider à prendre soin de nos pieds. Des parties qu'on néglige généralement, ou alors on se dit, bah, lorsqu'on nous regarde, c'est certainement la dernière partie à laquelle on peut prêter attention. Mais bon, qui n'est pas à négliger. Tout bonjour, à la mère. Bonjour, Kevin. Voilà. On a tendance à dire que non, ça reste dans les chaussures. On n'a pas besoin vraiment d'être appliqué par là. Tout à fait. Mm. Des fois, on pense que vraiment, c'est une partie qui est même cachée. Oui. Personne ne voit. Pourtant, ce sont des pneus de, nos, de notre vie, puisque sans ça, on ne peut pas marcher, mouvoir, voilà. Oui, comme on veut dans tous les cas. Et ça peut affecter notre beauté. C'est vrai. Oui, parce que peu importe ce que vous pouvez mettre comme maquillage, comme habillement, tant que les pieds là ne sont pas bien, vraiment, la beauté là est c'est dans cassé. L'eau. Voilà. Voilà. Merci Kevin de m'accueillir une fois de plus. Je vais parler du citron, voilà. L'importance du citron pour les pieds aujourd'hui. D'accord. Alors, on sait très bien que tout le temps, on met toujours le jus de citron sur le visage ou encore sur les parties de notre corps. Oui. Mais les pieds aussi font partie de la beauté, comme on disait tout à l'heure. Et dans vos talons, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aime bien porter les talons, une chose est sûre, à un moment donné, il va falloir que vous vous arrêtez un temps si peu pour regarder si les pieds là vont bien. Parce que les plantes de pieds, à un moment donné, deviennent très dures. Parce que, soi-disant, on met les talons, on fait souffrir un peu ces pieds-là. Les plantes des pieds sont un peu étendues comme ça. Parce que quand vous mettez les talons, voilà comment ça se présente. Donc, les orteils sont plus bas et la plante de vos pieds, bref, cette autre partie qui est un peu plus haut, se relève un peu plus haut. Et pour finir, vous avez les crampes. Donc, oui. Voilà autant de choses qui peuvent vous créer des problèmes. Alors, ce matin, on vous propose le citron, le jus de citron. Et on associé à cela, on vous demande aussi de mettre un peu de lait. Donc, quel déjà de lait déjà? Le lait non sucré. Voilà. Voilà, c'est important. Là, vous allez associer ces deux. Comment cela se passe-t-il? Vous arrivez au marché, vous achetez votre citron. Voilà. Il y a des personnes qui ont la chance d'avoir des arbres de citron dans leur petit jardin, comme ce que nous voyons là à l'écran. Il y a d'autres qui ont également cela derrière la maison, ainsi de suite, même au champ. Alors, au lieu d'aller au marché acheter, peut-être vous allez donc cueillir juste un fruit. Quand vous avez déjà votre fruit en main, rassurez-vous que c'est un fruit qui, ma foi, est mûr, oui. Mature. Ensuite, qu'est-ce que je vais encore dire? Que ça contient beaucoup de jus qui peut vous permettre d'avoir les résultats que vous voulez. Alors, vous lavez votre fruit de citron, fondez en deux. Vous allez essayer d'extraire. Il y a des personnes qui ont des machines qui extraient le jus de fruits à la maison. Surtout les fruits dans cette famille-là, les oranges, les lémons, ainsi de suite. Donc, si vous n'avez pas... Passer à ce qu'on sait très bien faire avec nos mains. On presse tout simplement. Ouais. On presse tout simplement. Vous pouvez laisser les pépins comme vous pouvez enlever aussi. Ça va dépendre de vous puisque ça ne dérange personne à ce stade. Ce n'est pas comme si vous allez consommer. C'est pour vos pieds. Alors, quand vous avez déjà le jus, vous prenez donc votre lait non sucré qui va coûter dans les 400 montants dans les boutiques. Vous n'allez pas tout utiliser pendant cette séance. Puisque ça peut vous servir même pour d'autres séances. Alors là, quand vous avez déjà au frais, rassurez-vous que vous gardez au frais. Parce que si vous laissez ça au vu au-dessus de tout, ça peut se gâter. Alors,
vous associez les deux, vous remuez très bien. Ensuite, vous mettez juste un peu d'eau, l'eau tiède. Vous trempez vos pieds à l'intérieur. Là, c'est pour les plantes de vos pieds. C'est pour les plantes de vos pieds. Mmh. Ça va affecter naturellement vos orteils. Ça va pénétrer même les milieux comme ça de vos orteils. Voilà, ça va beaucoup vous aider en tous les cas. Il y a des personnes qui ont également ce problème c'est-à-dire les milieux des orteils qui sont toujours mouillés et quand vous mettez cela dans les chaussures, ça dégage. Oui. Et tout cela, c'est parce que c'est mouillé. Donc, quand vous lavez, rassurez-vous que vous avez bien séché avant de mettre dans les chaussures, surtout les chaussures fermées. Quand sont les chaussures ouvertes, c'est pas grave. Alors, quand vous mettez les pieds, vous mettez vos plantes de pieds dans ce mélange que je viens de vous proposer. Laissez reposer pendant 15, 20 à 25 minutes. Oui. Quand vous terminez, vous allez constater quelque chose en réalité. Les pieds seront très mous, très très mous. À l'aide de votre pierre, ne laissez pas votre pierre très loin de vous. C'est-à-dire la pierre qui vous permet d'enlever tous les peaux mortes qui sont au niveau de vos pieds. Oui. Vous utilisez à l'heure là. Ensuite, vous rincez les pieds avec l'eau normale, séchée. Puis, avec votre huile essentielle, vous faites un petit massage. Ça va permettre, surtout à ceux-là qui ont les crampes, de ne plus l'avoir. Et puis, pour un temps, il faut éviter les talons. Il faut éviter les talons. Oui. C'est-à-dire que les talons contribuent aussi à durcir la plante des pieds. Absolument, Kéry. Oui. Puisque ça, il y a la pression qui est montée à ce niveau-ci, oui, de la plante de vos pieds. La circulation sanguine même n'est plus normale. Tout à fait. Et puis, vous faites souffrir même le pied parce que le pied est comme ça, c'est incliné. Et ça devient extrêmement compliqué. Voilà. Donc, les femmes savent de quoi nous parlons. Voilà. C'est pour ça qu'elles mettent toujours les babouches. Pour ceux-là qui ont peur de porter les talons toute la journée, ils ont toujours les babouches dans le sac. Voilà. Évitez les talons de manière fréquente parce que ça peut accentuer le problème. Mais bon, au moins on a des solutions avec du citron associé à du lait non sucré. Mm-hmm. Vous appliquez, vous laissez reposer environ 15 minutes. Hein? 20. Voilà, 20 minutes par là. Et puis vous rincez. Encore un petit massage avec une huile végétale de votre choix. On met les chaussettes après. Bon, ça va dépendre. D'accord. Oui, si par exemple, juste après, vous voulez vous coucher, ok, c'est important de le faire. Oui. Mais si ce n'est pas le cas, vraiment, il y a des gens, c'est encore mieux de laisser les pieds un peu respirer aussi. Parce que des fois, ces chaussures, ces talons-là sont fermés aussi. D'accord. Donc, quand c'est fermé, c'est encore plus difficile pour les pieds qui sont déjà enfermés, à la hauteur. Ensuite, enfermé, c'est dur. Voilà, ça devient extrêmement compliqué. Très, très compliqué. D'accord. Mmh. Préserver donc les pieds, c'est important. Merci la mère. Ouais, on ne va pas tout déballer aujourd'hui. Demain, certainement, on aura droit à d'autres petites astuces comme ça. Alors, de manière générale, est-ce que vous estimez qu'une personne qui paye le loyer pour autrui a le droit de débarquer comme ça, sans prévenir? Bon, ça va dépendre de la personne. La personne, c'est qui déjà? Pour la... Ça peut être votre mère, ça peut être... votre tante, ça peut être votre soeur, ça peut être quelque part, Kevin, je pense que l'intimité de chacun devrait être respectée. Dans tous les cas. Oui. Oui. Même si c'est votre enfant. Vous pouvez, avant, je vais prendre l'exemple des parents qui ont les enfants à l'université. Oui. Alors, avant de se rendre dans les espaces de ces enfants-là, si vous ne les appelez pas, attendez-vous à tout aussi. Parce que vous pouvez être surprise par beaucoup de choses qui seront des fois agréable, des fois désagréable. Oui. Donc, c'est important de respecter l'intimité de l'autre. Même si c'est vous qui payez le loyer, ça ne vous donne pas droit d'abuser. Parce qu'à un moment donné, ça peut être comme si c'était un abus. Oui. Vous prenez aussi l'autorité. Vous prenez l'autorité dans vos mains. Vous dites, c'est moi qui ai payé. Et puisque c'est moi qui ai payé, je peux débarquer quand je veux, comme je veux. À un moment donné, ça peut être agaçant pour la personne qui est en face. Donc, mettez-vous à la place de l'autre. Du coup, appelez juste un petit message pour dire, j'arrive, je serai là. Parce que des fois aussi, vous pouvez arriver et la personne n'est même pas en ville. Donc, que faire? Vous allez blâmer qui? Vous-même. Oui.
Voilà, ne pas venir par surprise, disant que bon, on va voir un certain nombre de choses, vous risquerez de tomber en syncope, hein, tout simplement par rapport à ce que vous allez voir. Et aussi, vous avez parlé du respect de l'intimité d'autrui, c'est très important, même si c'est votre enfant, quand même, c'est aussi ça, prendre la responsabilité à l'enfant. Belle journée. Merci. Eh bien, nous sommes bien sûr dans nos stades, qu'ils soient de football, de volley, de basket, pour bien sûr partager quelques informations avec vous et vous inviter à trottiner si jamais vous avez l'opportunité. Parlons Afro Basket 2021 dames, bien évidemment, elles sont en image. Les Lions Indomptables du Cameroun se sont qualifiés pour les quarts de finale. Une autre bonne nouvelle qui dessine de l'espoir à l'horizon, n'est-ce pas? Et on espère, pourquoi pas, décrocher le trophée pour ajouter à celui du volleyball qu'auront décroché, n'est-ce pas, les Lions du volleyball il y a quelques jours. Et ces Lions du basket ont donc décroché leur ticket pour les quarts de finale en battant. C'était le Cap-Vert, 61-40. On se souvient bien sûr de la remontada qu'elles ont également infligée aux Kenyans lors de leur premier match de ce tournoi de basketball africain qui a débuté le 18 septembre dernier. Les matchs donc de poule qui continuent de se tenir. Les Lions Indomptables du Cameroun maintiennent le cap et désormais, après cette victoire, sont tenues à la tête, n'est-ce pas, de la poule A à laquelle elles appartiennent. On espère que, bien évidemment, la rencontre quart de finale annoncée pour les prochains jours sera encore une autre victoire dans le catalogue. Et puis, en football, nous parlons bien évidemment du championnat professionnel du Cameroun. L'équipe Lyon Blessé de Futuni, que vous apercevez en image, ont bien évidemment mené les joueurs, n'est-ce pas, de cette équipe-là, ont mené, voilà, l'équipe Foncha Street Football Club de Bamenda, les deux qui se sont affrontés, c'était hier, lundi, du côté de Bamenda, et le score qui aura sanctionné le match est de 3-2. Les joueurs de Foncha Street Football Club n'ont pas pu lever la tête face aux Lions Blessés de Futuni, ce qui leur aurait valu, n'est-ce pas, leur relégation en Ligue régionale. La Foncha Street Football Club de Bamenda désormais appartient à l'Elite One et rejoint par la même occasion les clubs Unisport du Onkam et AS Matelo qui avaient déjà été relégués, bien évidemment, en Elite One ou alors en Ligue régionale si vous préférez, à côté des autres clubs, bien évidemment. Entre autres, Lyon Blessé de Futuni se maintient en Elite 2. Racing Club de Bafoussam quitte l'Elite One pour rejoindre l'Elite 2. C'est un grand bond, il faut le dire. Les maîtres de Bafoussam qui font, n'est-ce pas, grâce à leur performance, une véritable tracée fulgurante et rejoint, n'est-ce pas, l'élite tout. Et puis, toujours en football, on parle tournoi Aïcha Bouhari pour nos chers Lyons qui ont rejoint, bien sûr, Abuja il y a quelques jours. La seconde de rencontre qui, n'est-ce pas, sont sur ce tournoi en ce qui concerne les Lyons a eu lieu hier. Le Cameroun a fait face au Ghana, comptant pour, n'est-ce pas, le deuxième match, comme on l'a dit, et malheureusement, après la défaite face au Maroc, censuré d'un but à zéro. Les Lions qui avaient obligation, n'est-ce pas, d'obtenir une victoire pour poursuivre le championnat, bien évidemment, ont eu faveur, n'est-ce pas, de cette victoire-là. Et la compétition, alors l'aventure peut se poursuivre encore en compagnie de nos chers Lions qui ont battu les Ghanéennes, pas très loin, bien évidemment, du score d'un but à zéro. Et puis, en dernière information sportive ce matin, Fauvu Club de Baham, nous nous souvenons, le représentant choisi par la FECAFOOT pour, n'est-ce pas, tenir le drapeau tricolore au sein de la compétition Ligue des champions de Coupe
d'Afrique, de Confédération africaine de football, voilà, de la Ligue des champions CAF. Après, n'est-ce pas, sa deuxième défaite de phase de poule s'est vue tout simplement éliminé. Le Cameroun, malheureusement, ne fait plus partie de ce parcours africain. Cet autre tournoi qui, par ailleurs, prépare pour la Coupe, pour la CAN, non seulement, mais aussi pour la Coupe du Monde. Fofo Club du Baham, donc, s'est vu éliminé après avoir tenu deux matchs, deux défaites, malheureusement. Et puis, dans nos pharmacies de garde, nous nous rendons pour prendre ici la nouvelle pharmacie du Benin qui est de garde aujourd'hui. Vous la trouverez au carrefour Aubège de Bafoussam. Elle répond au 233 44 15 57. La pharmacie amiénoise que vous trouverez à la place des fêtes de Bafoussam, elle répond au 233 44 51 10. La pharmacie Ange Gabriel, localisée au feu rouge de Bafoussam, elle répond au 233 44 18 33. Et puis la pharmacie Binam que vous trouverez sur la route de Fumban, elle répond au 233 44 32 31. Le 233 44 25 55. À côté également, nous avons la pharmacie de la MIFI que vous trouverez au carrefour Total pour celles des personnes qui sont à quelques brèches de cette zone. Bien évidemment, à Bafoussam, vous pourrez contacter la pharmacie de la MIFI au 233 44 11 63, le 677 75 09 38. Et puis la pharmacie des martyrs que vous trouverez au rond-point Biao, elle répond au 233 44 66 80, le 699 92 57 69. Et puis la dernière, c'est la pharmacie des montagnes que vous trouverez bien sûr en face de UKO. Ses contacts sont le 233 44, voilà, 44 82 14, le 699 99 41 56. Et voilà pour, n'est-ce pas, le package de ce matin, de cette autre journée. Respecter l'intimité d'autrui, on ne cessera jamais de le dire. Pour des raisons de paye de loyer, on n'a pas toujours tous les droits, et même si jamais on ne paye pas le loyer, cela n'enlève rien à nos devoirs ou à nos responsabilités ou encore à nos droits envers une personne. Ceci dit, la paye du loyer ne saurait être un prétexte, un alibi bien évidemment pour tout se permettre, sinon ça peut tourner au vinaigre. Merci à Joël Didem qui a bien sûr été à nos côtés tout au long de ce parcours que nous comptons bien sûr renouveler en votre compagnie, amis téléspectateurs.